Une maison pour voir, découvrir, apprécier les richesses de la baie de Somme. Voilà l'objectif de la maison de la baie de Somme. Située à Lanchères, entre Cailleux-sur-Mer et Saint-Valery-sur-Somme, le musée est un incontournable pour s'initier aux particularités de l'estuaire, avant de profiter d'une sortie nature. Donc c'est une partie muséographie où tout est reconstitué donc à l'intérieur à travers des dioramas avec des oiseaux qui sont naturalisés mais qui sont remis de manière vivante, comme s'ils étaient vivants, une mise en scène. Et on a vraiment l'impression que c'est vivant et la particularité étant qu'on peut les voir de très très près. Par exemple, lorsqu'on va sur des sites nature comme le parc du Marcantère, à ce moment-là, on peut les observer là dans leur milieu et là on se rappelle un peu ce qu'on a vu un petit peu avant. Donc on va proposer tout un panel de sorties nature allant de l'observation de la plus grande colonie de phoques, les richesses de l'estuaire, là c'est un peu plus axé sur la découverte de l'estuaire avec ses activités traditionnelles, ses us et coutumes. On a quelques sorties aussi qui sont beaucoup plus au niveau histoire sur le mur de l'Atlantique. À travers les parcours intérieurs et extérieurs, on découvre plus de 250 espèces d'oiseaux dans leur milieu naturel, mais aussi les phoques, veaux marins présents en baie de Somme. Enfin, des ateliers permettent aux enfants d'apprendre en s'amusant. Alors en fait, on propose différents ateliers. On est actuellement à 6 prestations différentes, mais par niveau. Un biais, on va dire, peut-être un petit peu moins dans la théorie habituelle qu'on peut avoir sur la présentation, c'est vrai que l'ornithologie, tout ce qui est scientifique, etc. Par le biais du jeu, c'est possible d'accrocher et ça marche parfaitement. C'est vrai que les deux grandes thématiques, ça va être d'un côté les oiseaux et de l'autre côté la baie de Somme, l'estuaire, mais ça entre souvent aussi en complément justement par rapport à la partie muséographique. La maison de la baie de Somme, c'est aussi une boutique nature où chacun peut trouver des souvenirs et des produits locaux pour faire ou se faire plaisir. On a une très jolie boutique où on met en valeur beaucoup de producteurs locaux, beaucoup aussi de sculpteurs locaux, puisqu'on est la baie de Somme, c'est aussi un pays où jadis on sculptait beaucoup des aplans pour la chasse. Point de départ de nombreuses excursions, la maison de la baie de Somme est idéalement placée, à deux pas de la pointe du Hourdel, là où l'observation des phoques y est très prisée. Un lieu idéal pour découvrir et comprendre la richesse des alentours, en intérieur comme en pleine nature.